Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour tester Stalker 2, le jeu où on va essayer de survivre dans la zone de Tchernobyl. Et bah écoutez, on y va de suite. Regardez, hop, on va se mettre en mode Stalker et on va essayer de découvrir... Enfin non, on va pas essayer, on va découvrir ce jeu. Alors c'est un mélange de jeux de survie, d'exploration qui se passe du coup en Ukraine sur la zone de Tchernobyl. Bon... Je vais découvrir ça avec vous. Alors déjà, ça commence bien. Dans un appartement. En feu. Ah bah, je pense que là, c'est l'explosion de Tchernobyl. Putain, tu retrouves ton appartement comme ça, hein. Le matin, tu te réveilles. Ouais, grosse galère. Hein. Ou peut-être pas. C'est peut-être autre chose, parce qu'il y a un truc qui brille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, suspense. Alors j'ai mis le jeu en ukrainien parce que forcément ça se passe en Ukraine, donc je m'étais dit que ça pouvait être assez cool d'avoir ça, la vraie essence du titre, qui se trouve d'ailleurs dans le Game Pass sur PC et dans le Game Pass Ultimate sur Xbox. Allez, je vais m'effacer et je vais juste faire la traduction. Êtes-vous sûr que le périmètre qui entoure la zone est vraiment suffisant? Si une émission puissante devait se produire... Écoutez, la zone est stable depuis des années. Et puis nous n'avons pas établi l'institution la plus avancée de l'histoire de l'humanité sans garantir au préalable sa sécurité. Bah du coup c'est en anglais, je pensais l'avoir mis en ukrainien, c'est pas grave. En tant que directeur de l'institut de recherche de la zone anormale de Tchernobyl, ou IRZAK, je crois que les merveilles que nous apporterons au monde dépassent de loin les risques potentiels. Quelle est l'étendue de ces risques exactement? La zone révèle un tout nouveau monde. Nous pouvons craindre le changement et nous contenter de l'ancien, mais dites-moi, voulez-vous que nos descendants nous voient comme des lâches? Ou comme ceux qui ont osé ouvrir la voie vers une nouvelle et meilleure humanité? Ah, franchement, l'ambiance, encore une fois, je la kiffe. Les blessés ont été évacués. Je rappelle à nos auditeurs qu'un incident similaire s'est produit dans notre région récemment, détruisant maisons et moyens de je ne sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de dire. Toutefois, les autorités locales demandent à la population de rester calme et nous assurent que la situation est totalement sous contrôle. Ah, c'est le petit truc qu'on a ramassé la dernière fois, ça. Oula, et il y a l'air d'avoir une météo. J'adore cette ambiance un peu paranormale, un peu mystique et en même temps très science-fiction. Oh oui, là il s'est passé un truc là. Ok, on est là. Oh, ça fait mal. Ah, des petites conserves. T'es en vie? Ça va. Ça chauffe vraiment dans la zone aujourd'hui. T'as vu ça? Sacrée explosion. Je me souviens pas d'en avoir déjà vu une aussi violente. Ouais, ça a l'air d'être assez chaud. On approche? On peut dire ça. Allez, fais-moi sortir mon gars. Oh la vache. Le point de contrôle central est probablement en alerte après la première émission. Mais il y a un autre passage, une fissure dans le mur, à gauche de la faille. Putain la vache, c'est les corbeaux morts? J'espère que tu n'as pas perdu ton artefact secret en chemin. S'il est resté hors de la zone trop longtemps, il aura perdu son énergie anormale. Ok, il va nous sortir une antenne, José. Mais ce truc en métal brillant pour le recharger. Une activation chanceuse, et c'est la fortune. Secteur 9, détection visuelle de la faille. Je répète, secteur 9, détection visuelle de la faille. Ouh, j'adore les hélicos! Je vous ai déjà dit que j'aime les hélicos parce que j'adore les hélicos. Montre-moi ce que t'as trouvé. Un caillou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tous les artefacts provenant de la zone que j'ai vue brûlent presque immédiatement et sont aussitôt réduits en cendres. Mais celui-ci... Celui-ci ne vient pas de la zone. Tu m'étonnes. Où tu l'as trouvé? Dans mon sac de linge sale. Ce qui est pas faux, techniquement.
Tu te prends pour qui, hein? Tu sais ce que scanner, ce scanner m'a coûté? Si ce n'est pas un artefact, ça va nous exploser la figure. Je ne veux pas voir mes efforts réduits à néant par ta faute. Pas question de te laisser tout gâcher. Allez, prise de catch, bam! C'est bon, j'abandonne. Cette pierre me doit un nouveau foyer. Allez, on doit bouger. Ok, mon gars. Qu'est-ce qu'il a dedans? Ah ouais, il met la pierre dedans, ok. Je crois que j'ai fait peur aux scientifiques, là. Allez, on va monter sur le cameton. Va au bunker des scientifiques, où Neoda t'expliquera comment utiliser le scanner. Il t'attend. Bonne chance. Ok. Eh, tu reviens me rechercher avec ton cameton, hein. Oh, le jump. Oh, je suis un ninja. Moi, je serais passé dans la faille, hein. Sans déconner. Ah bah, il se barre. Ok. Bon, bah, salut, j'ai envie de te dire. Très bien. Alors. Ah ouais. Ah, franchement, c'est... Il y a une ambiance super sympa quand même. Hein. Alors. Il a dit qu'il y avait une brèche à gauche de l'explosion. On va aller par là. Alors, sauter. Hop. On va s'accroupir. Putain, il fait noir ici, punaise. Alors, couteau. Voilà. Parfait. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non, j'ai pas l'impression. Alors, tab. Ok, tab. Ok, ça me permet de... D'accord, de choisir mes armes, etc. Et ça de se pencher. Oh, ok. Boîte de conserve. Ah, ça, c'est une bonne idée. Ok. Bonjour. Ouais, il fait noir là-dedans. Oh la vache. Alors, attends. La question c'est comment j'allume ma lampe? Ah bah voilà, comme ça. Ok, ouais, parce que la vache, putain, l'ambiance elle est ouf. Où est votre équipe? Je suis à mon deuxième tour. Ils sont en route, mais on a perdu le contact. Falcon 3, examinez le bunker des scientifiques. Ok, bah le but c'est d'arriver avant eux, je pense. Oh la vache! Ok, ouh bah hop, ça je vais prendre ça, on va prendre ça, oui je prends, non je vais tout prendre, attends, Q abandonné, est-ce qu'on peut tout prendre, ah oui R, voilà, fermé, I, ça c'est mon inventaire, d'accord, V pour une attaque rapprochée, ok. Wow, il se passe un, oh la vache, ok d'accord. Alors, du coup, comment est-ce que je me soigne? Oh, punaise! Ah, je suis resté là en mode, bon, bah, je vais pouvoir être tranquille, mais non! Il fallait pas rester là, José! Il faut bouger, il faut avancer! Ok. Donc ça, c'est bon à savoir. Ouais, c'est toutes ces anomalies électriques. Alors, hop, Allez. On va pouvoir avancer là direct. Et donc du coup, hop. Alors, ah oui, c'était I pour fermer. Est-ce que je vais voir, c'était... Non, c'était pas ça. Ah ouais, attends, mais il y a... Il faut tirer sur ce truc-là, là? Ok, donc le truc s'est barré.
On va vite se barrer d'ici, hein. Oh la vache! Oh punaise! Attends, je me casse d'ici, hein. Appuyez sur I pour l'inventaire. Alors, accès rapide. Attends, je m'éloigne parce que là, ce truc-là, je sais pas trop ce que c'est, là. Ouais. Ouais, il y a une ambiance, les gars. Oh, il y a les bestioles et tout. Oh, punaise. Ok, ok, non, je me casse. Putain, mais c'est quoi ce truc, sans déconner? Alors. Falcon 3, on a une intrusion au Duga. On a perdu le contact avec le bunker. Une équipe au sol est en route. Ok. Très bien. Ouh, bah écoutez. Bon. On va déjà commencer par se soigner. Et on va aller voir ce qui se passe là-bas. Alors, je pense... J'avais une mitraillette là, mais je crois que je m'en suis pas équipé. Voilà. Dans le doute, on ne sait jamais. Et si je fais ça, voilà. Oh là là, les gars, moi j'adore cette ambiance un peu post-apo comme ça là. Mission principale. Ok, c'est par là-bas. Oh. Oh. Oh punaise. Oh la vache. Oh, c'est horrible. Oh, je sais pas ce que c'est que cette bestiole, mais je reste pas ici. Ok, là j'ai l'impression que... Là on a passé une zone radioactive. Oh là là, mais hey, cette ambiance les amis. Ok. Il y a pas mal de trucs à fouiller, j'ai l'impression. On peut vraiment se perdre, entre guillemets, hein. Allez, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Bonjour. Oh ah, j'allais me dire... Y a pas grand-chose, mais si. Oh, y a un saucisson. Voilà, là je suis bien. Alors attends, qu'est-ce qu'on a dedans? Ah bah, elle est déjà équipée. Là, on est bon, là. Attends, est-ce que j'ai des munitions là-dessus? Oui. Ça, c'est quoi? Bandage. Franchement, on a bien fait de visiter cette petite maison, là. Ok. Bon, continuons. Je pense qu'il faut que j'aille là-dedans. C'est un peu éclairé. Bonjour. Vodka Cossack. Moi, je prends tout, hein. On prend la totale, les amis. Ok. Ouh la vache. Ah ouais, ok. Bon, très bien. Très très bien. On va y aller tranquille, hein. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je ne voudrais surtout pas vous embêter ni vous importuner, mais... Hey, je te prends la totale. Bon, ça, on n'a pas forcément besoin. Parce que si je la fous dehors... Ouais, ça la jette direct. Ok, parfait. Ah ouais, ça la pose. Oh, trop bien. Bonjour, monsieur. Je vous prends juste ceci. Abandonner? Non, je vais pas abandonner. Ah, c'est quoi, on va tout prendre et on va acheter aussi ça. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Oh là là, j'adore. Tu atteins le bunker? Trouve le docteur Neoda, il a accepté de te donner des coordonnées. Je ne crois pas que ça soit aussi facile, mais je trouverai bien. Pas de soucis. Oh là là, il y a... Ah, c'est un peu éclairé ici. F, ouvrir. Ok. Voyons voir ce qu'il y a dans ce bunker, les amis. Bonjour. Y'a quelqu'un?
Ok. What the fuck happened here? Oh la vache. Eh ben bonjour monsieur. J'espère que... Oh là, qu'est-ce qu'il a dans les poches? Médicaments anti-radiation. Je prends direct. Je sais pas trop ce que t'as fait ici mon copain, mais ça s'est pas bien terminé. Hein. Alors... Oh, bonjour monsieur. Ah, Anton Neoda. Ah bah c'est le mec qu'on cherchait, tiens. Une tablette. Je sais pas trop quoi. Ah, discussion avec un technicien, mémo du 25. Ok, il y avait un truc à activer. Qu'est-ce qu'il y a? Des nouveautés? Neoda est mort, comme le reste des scientifiques. Mort? Oh bon sang, on est foutu. Sors de là immédiatement. Arrête de délirer et dis-moi où sont stockées les données. Trouve son ordinateur portable. Les coordonnées devraient s'y trouver. Son PC portable, ok. Je vais déjà allumer ce truc-là, moi. Je sais pas ce que c'est, mais... Voilà. Voilà. Bon, ça, ça a allumé la lumière, c'est déjà pas mal. Bonjour. Ah, ça s'ouvre, ça? Allez. Oh, qu'est-ce qu'on a? Oh, pas grand-chose, en fait. Ah oui, attends. Tout prendre. Hop, voilà. Ok, on est bien. Ok. Ah, le PC. Le vieux PC à l'ancienne, quoi. Oh, avec la clé... Oh, un petit Windows 98. Franchement, c'est stylé de ouf, je trouve. Ouais, tu sens que le PC, il a vécu, hein. Salut, Neoda, quoi de neuf? Tu as rencontré le client d'Arman? Dis-lui qu'une nouvelle émission signifie de nouvelles coordonnées. Et qui dit nouvelles coordonnées, dit nouvelles factures. Neoda est mort. Je suis le client. Oh, c'est un beau bordel que vous avez sur les bras. Les gars, c'était un putain d'intello. Je l'ai jamais aimé de toute façon. Horrible mec, horrible. Attends une seconde, monsieur le client. Est-ce qu'Herman t'a au moins dit ce qu'il faut faire avec les coordonnées? Non. Rappelle-moi. Bon sang, je peux pas manger tranquillement? Bah non mon gars, attends, oh. Eh. Bien, suis les coordonnées et plante ton scanner dans le sol. Puis recule. Quand c'est fait, tu le reprends, compris? Bon, ça a l'air d'être assez simple, hein. Sinon c'est ton problème, je suis pas un service d'assistance à plus, monsieur le client. Merci. As-tu les coordonnées? J'espère que oui, les choses vont pas tarder à se compliquer à partir d'ici. Ouais. Oh. D'abord, trouve le détecteur. Il s'agit d'un laboratoire mobile. Les scientifiques doivent en avoir au moins un. Tu dois obtenir un artefact pour te protéger des radiations du scanner, sinon tu risques de finir par rejoindre Neoda. Trouve une anomalie. Après l'émission, ça ne devrait pas être très difficile. Puis utilise le signal du détecteur pour la parcourir. Si les stalkers y sont arrivés, je suis sûr que toi aussi. Ensuite, attache l'artefact à ta ceinture pour aller l'installer, le scanner. Essaie juste de pas te faire tuer dans l'anomalie. Ça serait plutôt embarrassant. Bah oui, j'ai pas envie de mourir, mon gars. Oh la vache, mais... Oh, j'adore ce côté un peu... On sort, c'est très sombre, puis d'un coup, ça devient un peu mieux. Alors. Pip pip. Pip pip. D'accord. Ah. Wow. C'est ça là? Oh, il y a un truc qui a... Ok, une limace. Bah très bien. J'ai trouvé une limace. Artefact. Équipez les artefacts dans votre inventaire. Limace. Ça va là. Ok. J'aime bien le côté où tu... tu te mets... tu ouvres vraiment ton sac à dos. Je trouve que c'est vraiment cool. Alors. Oh! Punaise! Oh la vache! Oh, c'était quoi ce truc? Attends, il faut que je me soigne, il faut que je me soigne. Oh punaise, il est là! Oh, oh putain, je tire à l'arrache là. Oh la vache!
Oh, il me fait quoi, là? Il est toujours là? Oh, il doit pas être loin. Oh, attends, je vais me le faire. Oh, attends, c'est quoi? Oh, il y a de la radiation. Oui, j'ai senti. Attends, parce qu'il y avait un corps là. Ouais, hé, je canarde comme. On est alarmé quoi. Je crois pas que je touche, hein. Je voudrais juste voir le corps là. Je suis sûr, il a des trucs. Bon, on reviendra. Il a pas l'air de vouloir sortir. On va le laisser là. On va se barrer. Enfin, j'espère. J'espère qu'il va pas me suivre. Hein. Ça a l'air ok. Bon. Il y a de la radioactivité partout ici. Ah, ça y est. Ça doit être ce truc-là. Bonjour. Installez le scanner. J'installe. C'est une belle machine, hein. Ça doit peser une tonne en plus. Allez, appuie sur le petit bouton. Pouit, 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 pouit. Wow, 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 ok, ok, attends, je sors de là, Oh la vache. Oh punaise. Ah oui. Tu es vivant? Oui, je suis vivant. Le chargement est toujours aussi bruyant? Ouais. Non, mais ta pierre est assez inhabituelle. Vérifie le scanner, vite. Il est chargé? Ouais, je pense, hein. Bah là, pour être chargé, il est chargé, hein. Ah non, failed. Impossible. Je le savais, sors de là, dépêche-toi de revenir, ou je pars sans toi. Ah ouais, bah j'arrive, hein. On va essayer d'éviter toute cette électricité, là. J'ai encore du temps, je me dirige vers le prochain emplacement. Oh, la vache, oh, il y a des gens. Ils ont pas l'air de... Oh, punaise. Oh non, non, mais non, ils sont méchants, Je m'étais dit que peut-être... Oh, la vache. Oh punaise, la vache, putain, mais ils sont chauds. Oh punaise, mais... Ok, je crois que j'en ai eu un. Oh punaise, plus de balles. Il est où, José? Oh la vache. Punaise! Oh la vache! Oh, c'est tendax de ouf en fait là! Je crois que je suis toujours en train de saigner. Il en reste un ou pas? Ouais, il en reste un, je vois la lumière. Il est là. Je crois que je l'ai eu. Ok. Oh, les combats ils sont ouf! Il y a ce côté un peu. Comment dire? Un peu. Pas précis, tu vois. Franchement c'est stylé. Ce côté un peu tu vises mais ça tremble un peu. Enfin ouais, moi j'adore. Bon par contre je n'ai plus de balles. On va essayer d'en récupérer un peu sur les gars là. Ouais ils ont des trucs mais... Il y avait encore un gars là non? Ah là ouais. J'aime bien parce que du coup ils ont des noms les mecs. Borco le battu. Ah bah oui mon gars, je t'ai battu. Là on avait Macar Décibel. je trouve ça très chouette. Oh, un feu de camp. Ah, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouh. Attends, on a pas mal de réserves, pas mal de choses. Du coup, qu'est-ce qu'on a ramassé dans notre petit inventaire? Est-ce qu'on a des balles là-dessus? Parce que je pense que... Ah ouais, attends, on a pas mal de choses là. Ah, c'est pas mal du tout, hein, franchement. Moi, j'aime bien. Et on va prendre ça. Ah non, bah non, je pense. Ah bah voilà, ça me soigne, nickel. Bon, on a un peu de balles avec le MP5. Et grenade, ça on a. Pistolet. Et ça on a encore avec le M4, on a des balles. Parfait. Ok, bon.
Il faut qu'on aille là-bas. Ouais, il y a pas mal de radioactivité encore une fois. Oh. Oh, 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 c'est quoi ce délire là? Oh, il se passe des trucs là. Ouais, j'aime pas trop cet endroit. J'aime pas trop cet endroit. Oh la vache. Le temps d'installer le scanner. Ouais, bon, je me casse. Oh punaise. Ok, il y a une espèce d'anomalie là-dedans, là où je sais pas quoi. Ouais, attends, on se casse d'ici. Des trucs à... Oh putainaise! Oh la vache, ouais, attends, je me casse. Je me barre d'ici. Ok. Allez, autre anomalie. Bon, oh, l'ambiance, elle est folle. Salut José. Oh, t'as pas l'air bien. T'as pas l'air bien du tout. Allez, on va poser le scanner. Oh, encore une fois, les amis, l'ambiance est dingue. Enfin, moi, de mon point de vue, j'adore cette ambiance. Je suis ultra client de ça. Encore une fois, on est sur PC. Et le jeu, franchement, tourne vraiment bien. Hein. J'avais vu qu'il y avait pas mal de personnes qui disaient qu'il y avait pas mal de bugs ou autres pour l'instant. Bon, c'est que le début. Hein. Pour l'instant, c'est plutôt cool. Waouh. Ah ouais, d'accord. D'accord. Il se passe des trucs vraiment chelous ici. Ah, et en fait, le scanner, c'est les anomalies comme ça, en fait. D'accord, ok. Allez, je reprends ça. On se casse. Bon. Harman, les coordonnées de Solder ressemblent à une arnaque. Ces coordonnées ont toujours fonctionné à merveille. Oh là, je suis en train de cramer. On le saura bientôt. Ok. Ça a l'air d'être là-bas. Bon, par contre, il y a... Attends. Skiff, tu es là? Cet endroit grouille de soldats. Ils vont boucler tout le périmètre. Et tu ne pourras plus jamais sortir de la zone. Plus qu'un endroit. Tu m'as entendu? Laisse ce fichu scanner et reviens immédiatement. Je n'ai aucun endroit à revenir, Herman, terminé. Voilà, encore une fois, les ambiances, les amis. Ouah, j'adore. C'est un mélange un peu de Fallout et de métro, quoi. Bon, ça a l'air d'être par là. Ok. Oh, il y a un dirigeable. Oh là 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 là. Et moi, j'adore. Dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos. Souvent, tu sais, je fais qu'une seule petite vidéo. Ah, le truc est là. Souvent, je fais qu'une seule petite vidéo sur un jeu. Si vous en voulez plus, dites-le moi. Parce que franchement, je suis bien chaud qu'on fasse ça ensemble. Hein, parce que honnêtement... Je suis très fan du jeu là, jusqu'à présent en tout cas. Jusqu'à présent évidemment. Ok, alors. Il faut s'éloigner, monsieur. Ah oui, la fenêtre. Oh là 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 là, mais... Je suis client à 1000% de ce genre de truc. Waouh. Ok. Ah, ça a l'air bon. Oh. Une sorte d'anomalie. Je vois le scanner. En train de localiser des activités anormales et des signaux radio. Situation incertaine. Vous, à l'intérieur. Vous, sur le toit. Bougez. Ouah, ça craint. Ça craint du boudin. QG, Bulat, au rapport. Répondez QG, merde! Allez, on va se le faire. PDA de Stalker détecté. Quelqu'un ici. Oh! Sniper! Oh la vache! Ok, toi tu vas faire dodo ici. Ah! Grenade fumigène. Oh, ça c'est un coup de bol. Allez, on s'éloigne de là. Tir de couverture. Allez, on se barre d'ici. Oh, j'adore. Skiff, réponds. Solder nous a vendu, tu m'entends? Ce fils de pute cupide nous a vendu. Oh, coup de la corde à linge.
Ah. J'ai rien fait, mec. Achève-le et barrons-nous. Stalker 2. Bon, ah, franchement, c'est une petite. Franchement, c'est une tuerie. Enfin, encore une fois, c'est une tuerie de mon point de vue, parce que moi, j'adore ces univers et ces ambiances-là. Alors, où on est en train de se faire bouffer par un chien? Oh merde! Oh putain! Ah, le chien, on dirait qu'il est aveugle. Ouh! Ouh! Ok. Anomalie est égal dangereux. C'est quoi ce bordel? Waouh, des feux d'artifice! Qui es-tu? Je suis ton ange gardien. Tiens, voilà un boulon. Pourquoi diable aurais-je besoin d'un boulon? Jette un œil autour de toi. Ah merde. Ouais, lance-le dans l'anomalie, puis pendant qu'elle se réinitialise, fous le camp à toute vitesse. Compris? Maintenant pars. Ok. On va jeter le boulon dans les trucs qui font des vagues. Alors, on peut utiliser le boulon, ok. Et on va le jeter. Et... Oh, 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 punaise, on est aspiré! Oh la vache! Oh, oh, what? Oh, j'ai... Je crois que je suis passé trop près de l'autre anomalie, ça m'a aspiré direct. Il faut faire attention avec ces trucs-là. Franchement, c'est très 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 dangereux pour la santé. Les petites anomalies. D'accord. Alors, attends. Hop. On va acheter ça ici. Voilà. Et pourquoi? Oh, la vache! Putain, c'est quoi le délire, là? Attends, tu sais... On va lancer ça, là. Voilà. Oh punaise, je suis à moitié mort. Tu t'es débrouillé comme un vrai stalker. Viens ici qu'on parle. Je savais que tu y arriverais. Bon, d'accord, j'en étais pas tout à fait sûr. Mais j'espérais vraiment que tu réussirais. Comment es-tu arrivé jusqu'ici sans aucun équipement? Bah, j'ai été attaqué, mon gars. J'ai été attaqué pendant que je travaillais. On m'a frappé à la tête. Lorsque je me suis réveillé, j'étais presque à poil. T'as eu de la chance qu'on n'était pas tué directement. Tu devrais te rendre à Zalicia pour voir le doc, mec. Et parle au barman quand tu seras là-bas pour voir s'il sait quelque chose sur ceux qui t'ont attaqué. Le loucheur. Bon sang, mec. Putain, ils ont des noms, les gars. Aller à Zalicia. Bon. Bah, tu vois, j'avais des balles, en fait. C'est juste que dans le chargeur, j'en avais plus, quoi. Bon, il me faut un peu de santé, par contre, hein. Allez, là où il y avait le snipe. Tu voulais régler certains comptes, n'est-ce pas? Merde, c'est pas vraiment le bon moment. Le salaud l'a flingué à bout portant et lui a tout pris. Même les capteurs. Merde. Maintenant, toute la zone inférieure devra nettoyer ce bordel. Pourquoi tu continues à traîner dans le coin? Va à Zalicia et tiens ta langue si tu ne veux pas te faire tuer. Ok. Bon, je vais chercher quand même... Non, il n'y a rien dans les gars. Bon. Il me faut un peu de santé parce que avec tout ça... Ah ouais, mais c'est les mecs... Ok, c'est les mecs que j'ai... Ah, qui se sont fait buter. Ah ouais, donc du coup, ils ont tout pris. Donc j'ai que dalle sur moi, quoi. Ah. J'ai une petite bouteille. Ok, bon, bah c'est déjà ça. Bon, il va me falloir vraiment des munitions. Bon, en fait, on va garder la lampe allumée. Faut des munitions et surtout de la santé, parce que là je pense que je vais pas faire long feu. Ah, ici. Oh, bah voilà!
Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On va se soigner. Hop. Voilà. Bon. Très bien. Oh. Ah ouais, ça c'est le piège, quoi. Allez, le temps que ça... Stalker solitaire, le bar de Zalicia est à nouveau ouvert. Les premières tournées après l'émission est pour moi. Ok, mon gars. Allez à Zalicia. Oh, franchement, cette ambiance, les amis. Encore une fois, un petit kiff. Allez, utilisez P pour la carte. Ah ouais, donc là... Ouais, en plus... Oh là là, il y a de quoi faire. Hein. Allez, on va aller à Zalicia. Ah, il y a des coups de feu. Ouais, il y a les mecs là-bas. Ouais, bon, vu comment on est, on va pas... On va pas se frotter à eux. On va faire gaffe. Bon, on reste pas là. Hein. Je sais pas sur quoi ils tirent, mais... Ouais, ils sont là-bas. Voilà, il doit se passer un truc là dans cette baraque. C'est un truc de ouf. Ça, j'ai cru qu'il y avait un truc qui passait sur le côté, j'ai eu peur. Ok. Bon. On va pas rester là. Allez, on continue sur la route. En espérant pas croiser de choses trop horribles. Des voitures. Alors, est-ce qu'on peut fouiller dans les voitures? Non, a priori, non, il n'y a rien. Oh, j'ai l'impression d'entendre des bruits. Alors, je pense pas que ça soit déjà là. Non, mais il y a plein de trucs. Chaufferie. Ouah, il y a un million de trucs à faire. Bon, on va pas y aller de suite. On va pas y aller de suite, mais... On va tout de suite aller... On va suivre simplement la route. Mais là-dedans, je pense qu'il doit y avoir des trucs. Hein. Ah oui. Ah oui, je crois que j'étais même repéré. Oh, il y a des gars. Oh la vache! Oh punaise. Oh je suis sous le feu ennemi là. Je voulais juste passer monsieur. Une grenade. Oh attends, je reste là. Oh punaise. Oh ils ont l'air d'être plusieurs là. Oh punaise. Oh punaise, plus de balles. Oh la vache. Oh la vache! Oh c'est d'un... Oh là 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 là, je kiffe! Oh punaise! Ok. Oh! Ok, on va manger vite fait ça. Oh punaise! Oh ouais, je crois que je vais mourir là, les gars. Il faut que je prenne le fusil, mais... Oh putain, toutes les armes et tout ont dégagé avec l'explosion. Ok, là ça a l'air bon. Oh la vache, mais c'est quoi? Oh, je l'ai eu. Oh, je crois que je l'ai eu. Ok. Oh, évidemment, il avait rien, lui. Ah, attends, je prends ça. Ok. Oh, attends, j'ai fait quoi là? Encore une grenade? Attends, la vache. Mais ils sont combien là?
Ah mince, mais attends, j'ai fait une bêtise là. J'ai fait une bêtise, je lui ai donné tous les trucs à lui, je crois, non? Merde. Attends, comment ça se fait que j'ai plus de... J'avais un fusil et tout là. Bon. Vous savez quoi? On va s'éloigner de là. Ah, j'ai fait une mauvaise manip, je pense, avec l'inventaire. Ou encore un... Voilà, et franchement... Oh, le truc est ouf, les amis. Hein. Oh, je pense que c'est une mauvaise idée d'aller là-dedans. Ah. Bah, pas tant que ça, en fait. Ouh, oui! Ah ouais, attends, parce que du coup, il faut le placer dans l'inventaire, tout ça. Bon, je sais pas ce que j'ai fait avec les trucs. J'ai du pain. Ah, franchement, un petit kiff, ce jeu-là. Bon, on a retrouvé une arme. On va essayer... Comment je peux gravir ce truc-là, là? Ouais, j'entends des chiens. Ah oui. Il y avait des niches. Oh mais c'est génial. Ah. Ok, là il y a les gars. Est-ce que c'est par là qu'il fallait que j'aille? Alors ça a l'air d'être là. Bon, on va essayer d'entrer par la route principale. On va peut-être contourner. Dans le doute. Mais il y a 1 million de petites choses à voir, à faire et tout. C'est... Allez, on va passer par là, je pense que c'est bien. Dissimuler une arme. Appuyez sur H. Oh, attends. Ouais, est-ce que... Là, quand ça bip, ça me fait flipper. Je m'éloigne quand ça bip. Salut les gars. Je viens en paix, hein. Me faites pas de délire, hein. Ah, le bar. Ok. Bonjour. Ah, un petit insert, un petit feu. On est bien ici, là. Petite ambiance rupestre, c'est pas mal. Je cherche Solder. Non, parle au vieux, c'est lui là-bas. Qu'est-ce que tu veux? Oh. Assieds-toi et te fais pas avoir. Trois de mes hommes ne sont jamais revenus de leur patrouille de nuit autour de la zone inférieure. On a retrouvé leur corps près du vieux pont. Hé, hey, soldat, par ici. Comment tu appelles trois gardiens morts dans le trou du cul de la zone? Un bon début. Oh putain. Oh la vache. Un marchand du nom de Hamster refourguait une arme de service qui appartenait à l'un de ses gardiens. Il avait eu par le loucheur. Pardon, capitaine, mais Alicia est une zone de libre commerce. Nous avons un accord avec Korchnov. Où est le loucheur? La zone contient sa part de secrets. Qui sommes-nous pour essayer de comprendre ses desseins? Tu joues au vieux stalker plein de sagesse, c'est ça? Comme tu veux. Le loucheur était ici, ça ne fait aucun doute. Il a achevé les blessés et a fouillé les corps. C'est ce que font les stalkers maintenant? Ah, c'est sûrement... Sûrement pas aussi simple. C'est une sale affaire. C'est une sale affaire. Les nouveaux. Si vous voulez pas me le dire, d'autres le feront. Attrapez-les. Oula, on se calme. Personne ne va nulle part. Si vous ne voulez pas que des innocents souffrent, trouvez-moi le coupable. Ah, c'est tendu, hein? C'est tendu de ouf! Bien, en temps de guerre...
La loi se tait. Oh, c'est joliment dit. Hé, Stalker. Stalker. Tu dois être nouveau ici. Approche, qu'on discute. Trouvez des informations sur Solder. C'est comme ça que ça fonctionne, Azalicia. Ces malades vont finir ma vodka à ce rythme. Si quelqu'un me demande, je suis chez moi. Et occupé. N'importe qui. Ne te laisse pas prendre à ce cirque, le nouveau. Le vieux fait le prétentieux parce que Zutov le laisse faire. Si c'était Korchnov qui était là, qui était à sa place, on serait déjà aligné contre un mur. Le capitaine préfère adopter une approche plus diplomatique. Qui pourrait m'enseigner sur Solder? Essaye Zutov. La garde peut trouver n'importe qui à condition de faire un marché avec eux et d'accepter leur méthode. Tu peux aussi parler au vieux, mais laisse-lui le temps d'arriver jusque chez lui. C'est un type sympa. Il aide en général les nouveaux, mais aujourd'hui, il a eu à gérer un beau paquet d'emmerdements. Ok. A plus et bonne chance. La maison offre le premier verre si tu en as besoin. Et j'ai l'impression que tu vas en avoir besoin. Allez. Oh, il y a des missions, lui. Vas-y. Je suis pas du genre à faire le coursier. Tu as un truc sympa à me proposer? Tu sens l'odeur du continent à plein nez, gros dur. Tu te prends déjà pour un dur, hein? Bon, je connais un type un peu dans ton genre qui me doit de l'argent. Il s'appelle Valik Lumokf. Je dois récupérer mon fric. Ok. Je suis partant. Je l'ai vu il y a 2 heures se diriger vers le nord, vers le château d'eau. Mais je ne veux pas avoir son sang sur les mains. Fais-lui peur, secoue-le un peu, récupère mon argent et c'est tout. Je t'en laisse 20%. Ok. Ouais, on a des petites missions à côté et tout, c'est pas mal. Ok, est-ce qu'on peut piquer ça? Ok, attends, tiens, on peut pas... Attends, tiens, regarde. Interagir. Ah, on peut allumer. Voilà, là, c'est cosy. Là, c'est mignon. Je te prends aussi ça, hein. Et ça. En fait, je suis en train... Je suis pas un voleur. Ouais. Je voulais juste voir si t'avais... Ouais, non, rien. Ok. Hop. Je voulais voir si tu pouvais me payer un verre, mais non. Ok. Allez. Où est la porte? Ici. Viens ici, on doit causer. C'est toi? Le plâtre. Voilà le marché. Je suis intéressé à te transmettre des conseils de Stalker ici et maintenant, gratuitement. Ça t'intéresse? Ouais, c'est quoi le piège? Il n'y a pas de piège. Je dois du fric au vieux, alors je paie ma dette en conseillant les nouveaux. Et c'est aujourd'hui mon dernier jour. T'as touché le gros lot. Ouais. Sympa, qu'est-ce que j'y gagne? Sur le continent, papa et maman comptaient plus que tout, pas vrai? Mais ici, dans la zone, c'est le technicien et le marchand. Mais leur amour a un prix, du butin ou des coupons, figé? Ok, bon, ça c'est du... C'est ça ton conseil? Je m'attendais à quelque chose de plus concret, tu m'étonnes. Tu te crois malin, hein? À peine sorti du périmètre, tu crois avoir tout compris? Hein? Vas-y, montre-nous ce que tu as dans le ventre. Bah ouais, je vais te montrer, mon gars. Voilà les coordonnées de Lens, notre technicien, et de Hamster, le marchand. Si tu as des coupons, achète quelque chose. Sinon, va voir le sorcier pour une mission. Il a toujours quelque chose à proposer. Et on a la nuit là qui tombe doucement sur la zone. Encore une chose, si tu entres en conflit avec une des factions, va voir leur chef. Le conflit fait partie intégrante de la zone, mais il y a toujours un moyen de les résoudre. C'est toujours mieux d'obtenir une paix bancale qu'une superbe fusillade, tu piges? Ok. Donc on va aussi avoir ça à gérer. Eh, c'est vraiment pas mal, hein? Bref, quand tu auras fait connaissance avec les locaux, taille-toi et ne viens plus m'emmerder. Personne d'autre ne t'aura gratuitement dans le coin. Surtout pas moi. Ça ne t'aidera. Ok. C'est noté, José. C'est noté. Alors. Ah, il va vers les marais. Je suis sûr qu'on va le retrouver vers les marais, lui. Oh, mince. Je voulais juste mettre... Voilà,
Ah, voilà. Ah, quand on cache le pistolet... Ah, voilà. Ça m'est sorti le pistolet. Mais oui, parce que là, il commence à faire nuit, donc je mets la petite lumière. Alors. On va essayer de voir ce qu'il y a à faire. Donc là, il y a, a priori... Voilà, dernière mission, mission principale. Donc, soit je vais voir le vieux. Ah, on va aller voir le vieux, il avait l'air sympa. Ou bien je vais voir le gars un peu de l'armée, quoi. On va aller voir le vieux, il me plaisait bien, le vieux. Oh la vache, tain, là, par contre, c'est... La nuit, elle tombe vite et bien. Ça doit être là-dedans, le vieux, je pense. Bonjour. Ah. Comment on rentre chez lui, là? Je peux rentrer par la fenêtre? Non. Ouais, il se passe des trucs bizarres, ici, hein. T'es en train d'écouter aux portes ou quoi? Je t'ai dit que j'étais occupé. Hey, quelle bonne surprise, désolé. Si j'avais su que la garde arriverait aussi vite à Zelissa, je t'aurais envoyé ailleurs. Pas de soucis, mon gars. Je crois que je sais même où. Qu'est-ce que tu veux? J'ai des questions au sujet de Solder. Je le connais, et je sais où tu peux le trouver, mais moi aussi j'ai besoin d'un service. Aide-moi à trouver le loucheur et je te dirai ce que je sais sur Solder. Ok, ça va être des petits échanges comme ça, j'ai l'impression. Tu veux impliquer le nouveau aussi? Bah ouais. Il nous faut juste quelqu'un pour escalader cette tour, le vieux. Rien d'extraordinaire. Je le ferai bien moi-même. Il te prendrait là-haut, et ensuite il faudrait que j'explique pourquoi un Sparker se balance autour de Zalicia. Non, reste tranquille. T'as vu le ballon au milieu de Zalicia, Stalker? Il nous faut juste quelqu'un pour escalader cette tour et réparer le matériel. Je vais dire au technicien de te contacter quand tu seras là-bas. Ok. D'accord. Et je t'aiderai avec Solder. Réparer la tour est facile. Sans la garde, je l'aurais fait depuis longtemps. Fais attention quand tu trouveras le loucheur. Il n'a jamais été du genre tranquille. Et maintenant, il est complètement déjanté. Ouais, bah déjà. Avec le nom. Mais le loucheur est quand même un de mes gars. Quelle que soit la merde dans laquelle il s'est mis, aide-le si tu peux. Et si tu peux pas, rapporte-moi les capteurs qu'il a volés. Bon, très bien. La garde ne doit pas les avoir. On doit encore nettoyer notre bordel. Très bien. Ok, bah écoutez les amis. Une bonne chose de faite. Donc il faut réparer. Du coup, trouver le loucheur. Alors ce qui est cool du coup dans le jeu, c'est qu'on peut vraiment faire un peu ce qu'on veut, quoi. C'est que là, je peux partir fouiller les éléments au loin. Comme rester ici. Et suivre la quête principale. Alors on va essayer de faire ça. Donc t'avais la tour là, le ballon avec la tour, ouais. On va au moins faire ça. Alors je sais pas trop comment on rentre là-dedans. Ah, ça doit être en haut, je pense. On va peut-être aussi se soigner. Alors. Je pense que ça doit être là-dedans qu'on doit rentrer. Peut-être. Ou pas. On va aller voir. Bonjour messieurs. Je viens réparer le ballon. Est-ce que c'est par ici? Ça n'a pas du tout l'air d'être là. Excusez-moi, je me suis trompé. Comment on accède à ce ballon là-bas? Derrière. On va essayer de faire le tour. Non, on peut pas. Bon. On va essayer de faire le tour par l'autre côté. On va bien trouver. Voilà. Ok, il fallait juste faire le tour en fait. Et on va passer par ici. Alors j'espère que c'était bien là qu'il fallait aller. Faut pas faire des trucs avant. Parce que moi j'y vais peut-être un peu... J'ai créé ce système il y a quelques temps pour canaliser les PDA des nouveaux. Au cas où ils disparaissent après l'émission.
Faut se connecter à 3 points. J'en ai déjà connecté 2, mais c'est toi de connecter le 3ème. Essaie de pas tomber, il a fallu un mois pour retrouver le dernier qui a essayé. Ok. Bon, ouais, on va essayer de pas tomber, ça serait bête de tomber là. On va voir un petit peu la vue qu'on va voir d'en haut. Ah, j'ai déjà hâte de retourner dans la zone. Voilà! Ah, éteins la vache. Qu'est-ce qu'il y a? L'antenne est en feu? Ah. Je sais, putain d'émission, je vais encore devoir remplacer les bobines. Bon, laisse-moi réfléchir. Il y a une autre antenne pas loin d'ici, c'est un vieux tas de ferraille, mais elle marchait la dernière fois que j'ai vérifié. J'en ai pour au moins une semaine à la réparer. Va chercher l'autre, je t'envoie les coordonnées. Ok, activez l'antenne à RMS. Ok, bah écoutez, l'antenne, donc ok. Ah, y a pas mal de petites choses à faire là. Ah, on peut aller interroger le soldat, mais sinon, activer l'antenne à RMS. Ah, on va pouvoir faire ça là vite fait. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était le sorcier qui me demandait d'aller faire ça. Ouais, et franchement, j'adore ces petits trucs là où il y a plein de petites choses à faire. Ça me plaît beaucoup. Bon, on va aller voir le mec là. Il a pas l'air d'être trop loin. Ça, c'est une belle antenne, les amis, hein, quand même. Putain, j'avais grimpé autant? Bah, a priori. Il y avait un truc du style... Ah ouais, je peux sauter. Quitte le site immédiatement, Stalker. La tour radio est sous la protection de la garde. L'entrée est interdite. Ah bah. Viens ici, il faut qu'on parle. Ok. Ok, ok, bah je viens. Est-ce qu'on peut rentrer par chez eux, par derrière, là? Bah non. Dommage. Oh la vache! Ah oui, mince. Ah, ça pique, en fait, les barbelés. Salut, José. Alors, le Capitaine Zotov, lui, était là-dedans, je pense. Mais regarde pas comme ça, toi. Je déteste ce putain d'endroit. Ah oui. J'espère que t'es venu ici discuter. J'ai entendu dire que tu peux m'aider à trouver Solder. Tu devrais d'abord m'aider, Stalker. Tu vois ce que je veux dire? Des loucheurs? Exactement. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le loucheur est une sale merde. Mais pour les gens d'ici, c'est avant tout un Stalker. Et il connaît bien la zone inférieure. Un stalker comme toi aura peut-être moins de mal à la trouver. Qu'est-ce qui me dit que tu vas pas essayer de m'entuber? Nous ne sommes ni des escrocs ni des bandits. La garde tient ses promesses. Bien sûr, les solitaires nous appellent de différentes manières. Mais ils ne nous ont jamais accusés d'arnaquer les gens. Je veux les capteurs que le loucheur a pris sur les corps de mes hommes. Et s'il lui arrive quelque chose, je ne serai pas trop fâché. Mais je vais pas insister. Si ce travail ne t'intéresse pas, quelqu'un d'autre le fera. Alors tu as pris ta décision. Je savais qu'on pouvait trouver des gens raisonnables dans la zone inférieure. Voilà le marché. Je te dis ce que je sais et tu arrêtes d'harceler mes hommes. Ça te paraît correct? On verra. Crache le morceau. Je me suis renseigné, je crois qu'il est près d'ici à l'entrepôt. En envoyant une escouade là-bas, il repérait l'escouade immédiatement. Je préfère que notre ami aille jeter un œil. En attendant, j'essaierai de te trouver des réponses, Stalker. Je crois qu'il faudrait mieux envoyer vos propres hommes, capitaine. Ce sont des professionnels aguerris. Et... Du calme, oncle Lionia. Pourquoi ne pas attendre tranquillement d'avoir plus d'informations sur l'endroit où tu veux à tout prix envoyer mes hommes? Tu sais ce que tu as à faire, Stalker. Bonne chasse. Ok, donc là, on a pas mal de petits trucs à faire, en fait. Donc c'est soit on l'utilise avec notre pote le vieux, là, soit on va chercher directement comme ça. Ouais, c'est plutôt cool. Et donc du coup, aiguille dans le fond, explorer la zone
Après les panneaux de radiation. On peut faire ça. On va, tu sais quoi, on va faire une mission annexe là. On va aller chercher ce truc là. Et on va pouvoir mettre un marqueur. Tiens, je peux mettre un marqueur là. Est-ce que ça marche? Juste pour voir un peu où je dois aller. On va déjà réparer le truc. Est-ce que je vais dans la bonne direction là? Ouais. Bon, en fait, je peux les marquer, je peux les supprimer d'ailleurs les marqueurs parce que je pensais le voir, mais non. Allez, on va aller réparer la nouvelle antenne pour aider notre pote au pire. Ou bien est-ce qu'on va faire tout de suite le truc? Non, tu sais quoi? On va suivre la mission principale. On va suivre la mission principale tranquillou. Comme ça, on avancera dans la mission principale et moi de mon côté, je ferai les missions un peu secondaires et autres. Bon, dans le doute, on va quand même sortir les guns parce que... Ouais, j'entends des bruits. Ok, il y a des anomalies ici, faudra faire gaffe. On va couper. Ah, franchement, t'es pas serein à sortir dans la zone comme ça. Hein. Je crois que j'ai vu les petits trucs là, non? Ah, ok. Ça, je suppose que c'est une anomalie, non? Si je jette ça dedans. Ah ouais, d'accord. Wow, wow, wow. Ok. Oh, punaise. Oh, la vache. Oh. Oh, punaise. Oh, la vache. Ah, j'ai plus de balles. J'ai les chiens en trousse. J'ai plus de balles. Ah ouais, faut vraiment être prêt, hein. Attends, on va y aller au couteau. Ah, je suis déjà mort. Ah, oh, punaise. Ah, je crois que c'est la fin. C'est la fin pour moi. Ah ouais, faut... Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je pensais qu'on pouvait y aller un peu de manière tranquille, mais non. Mais non, les amis, c'est ultra chaud. Bah écoutez, on va s'arrêter là, en tout cas, pour le début du jeu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres vidéos sur Stalker 2. Franchement, c'était un gros kiff. On peut faire la trame principale si vous le souhaitez ensemble et en vidéo. Ça serait plutôt cool. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, bah écoutez, c'était une superbe vidéo découverte à faire avec vous. Et honnêtement, je kiffe le jeu. C'est beaucoup plus difficile entre guillemets que ce que je pensais. Il faut vraiment partir préparé. Moi, je suis parti un peu à la one again. Je pense qu'il faut vraiment s'équiper pour aller dans la zone en tout cas. Un gros kiff, merci de m'avoir suivi, gros bisous à vous tous, de loin forcément, portez-vous bien et comme toujours n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Salut à tous, nous on se donne rendez-vous très prochainement pour reparler de monstres, de dinosaures et autres. Salut les smashers.